Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai remarqué qu'il y en a qui triquent de mes vidéos. Moi je vous dis encore une fois, si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Mais arrêtez de triquer pour un oui pour un non. Pourquoi que vous en faites pas des vidéos à la place de triquer tout le monde? C'est facile de triquer tout le monde. Vous n'êtes déjà pas capable de vous occuper de vous, alors pourquoi vous triquez les autres? Faut les laisser faire, hein. S'ils font des vidéos, c'est parce qu'ils aiment ça. Deuxièmement, peut-être c'est leur passion. Et puis deuxièmement, s'ils aiment bien faire ça, pourquoi pas? S'ils le mettent sur le site, sur Facebook, parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien que les gens ils écoutent. Et puis qu'après ils répondent à des questions. Point. Ou si après les questions qu'il a mis sur Facebook, il met le numéro de téléphone et puis elle vous appelez et puis vous posez des questions. Parce que c'est comme une femme, elle appelle. Ah bah j'ai vu vos vidéos. Vous m'avez dit juste après que vous pouvez m'appeler. Vous m'appelez? Pareil, même système. Comme vous m'avez appelé, hop, vous coupez, hop, plus rien. Ah ben j'ai. Tiens, la dame a voulu voir qu'elle voulait me parler pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait ou qu'est-ce qu'elle voulait pas. Je l'ai plus revu. Plus de coup de téléphone, plus rien. Alors ça aussi c'est pareil, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine qu'on s'amuse à faire des vidéos. Moi je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Mais allez, à plus. C'est Cribouille qui il vous dit ça. Cribouille qui s'appelle. Au revoir, à bientôt.